You like me, don't you? J'appelle l'auto-organisation tout être vivant et surtout humain. Il a à l'intérieur de lui-même l'organisation de son être. Bon, nous parlons parce que nous avons à l'intérieur de nous la culture, le langage, les connaissances de notre société. Mais nous avons aussi à l'intérieur de nous le fait que nous mangeons des aliments, de l'énergie extérieure, de l'organisation qui se trouve dans ces aliments. Autrement dit, le monde extérieur est à l'intérieur de nous dans un dialogue permanent. Et si on commence à penser toujours en termes contextuels, je crois qu'on fera des progrès décisifs et non seulement cognitifs, ce qui serait pas mal. Je crois même aussi pour le salut des êtres humains. Parce que toutes ces connaissances fragmentaires ont quelque chose aujourd'hui, je dirais, de mortel. On détruit des cultures, on entre dans une logique économique close. On a créé des catastrophes naturelles en détournant des fleuves en Sibérie, par exemple, ou en faisant des barrages considérés dans d'autres régions. Autrement dit, il s'est développé aujourd'hui ce que j'appellerais une intelligence aveugle, c'est-à-dire une intelligence qui voit des choses très limitées à condition que le secteur reste compartimenté, qu'il n'y ait pas d'interférence, et qui devient incapable de concevoir. Alors nous sommes dans un monde où tout est en communication et tout en interaction, et l'aveuglement croît avec la nécessité de voir. Là aussi, je pense qu'il y a un problème de réforme de pensée. Moi, une idée qui me semble très importante, c'est l'idée d'émergence. C'est dès que vous avez un ensemble organisateur qui produit des qualités nouvelles qui ne sont pas dans les éléments isolés. Pour que l'esprit apparaisse du cerveau, c'est une émergence. Il faut non seulement que ce cerveau fonctionne, mais que le fonctionnement de ce cerveau soit stimulé par l'environnement matériel, par le langage qu'on apprend, par la culture. Autrement dit, l'esprit n'est possible que s'il y a culture et cerveau. Tous les angles des enfants abandonnés aux uns et ailleurs ne peuvent connaître venu la culture devient un primate du plus bas rang. Il ne peut pas développer ses facultés intellectuelles. Alors, nous nous rendons compte à ce moment-là, nous avons une conception qui montre l'interdépendance formidable de ce qu'il y a de culturel et de psychologique avec ce qu'il y a de cérébral et ce qu'il y a de biologique. Mais si on n'a pas cette conception de l'émergence, on continue à découper et à redécouper. Elles sont soumises au contexte. C'est-à-dire qu'elles ont les racines et elles doivent pomper l'oxygène, le soleil, l'eau dans leur contexte. Le premier gradient de liberté biologique, c'est la graisse. C'est-à-dire que dès l'instant où un être vivant peut stocker dans son propre corps l'énergie qui lui permet de se déplacer, il échappe un peu à l'immédiateté de stimulation qui permet d'être, et il a un degré de liberté à l'immédiateté. Le deuxième degré de liberté biologique, c'est le premier degré de liberté biologique. Le deuxième degré de liberté biologique, c'est le premier degré. C'est-à-dire que la température interne reste stable quand varie la température du monde extérieur. À ce moment-là, l'animal, l'être vivant, possède un moyen de rester lui-même et d'échapper encore plus aux variations de la nature. Le troisième degré de liberté biologique, c'est ce que j'appelle l'auto-éco-organisation, c'est-à-dire que tout être, c'est ce que moi j'appelle l'auto-éco-organisation, c'est-à-dire que tout être vivant et surtout humain